On est passé dans les années 96, 97, 98, je dirais, en culture biologique, pour arriver en biodynamie début des années 2000, on va dire 2001-2002. Donc j'ai eu la chance d'être le dernier élève de François Boucher qui malheureusement était malade. Je ne savais pas qu'il ne prenait plus d'élèves et donc il habitait juste à côté de moi, en plus c'est juste à côté de la maison, donc il m'a transmis tout son savoir, et donc ça c'est inestimable. Et après c'est au fur et à mesure des lectures et de la compréhension de cette philosophie, du rapprochement, parce que moi on essaye aujourd'hui de rapprocher la plante au plus proche de l'homme, donc moi je suis dans la réflexion de Steiner, je suis plus proche de Goethe, de la métamorphose des plantes, qui est le rapprochement entre le végétal et l'homme, plutôt que d'aller sur des grandes théories où on ne comprend pas grand chose. Donc j'ai travaillé beaucoup en fait sur ce principe là et tout ce que je ne me fais pas moi-même, je ne veux surtout pas le faire à la vigne. Aujourd'hui, ce que je veux donner en fait aux gens qui dégustent nos vins, avec mon groupe, avec toute mon équipe, parce que bien entendu on n'est pas tout seul et c'est pas un homme en fait qui travaille, mais c'est 10 personnes qui travaillent en même temps et dans la même philosophie. D'ailleurs, la chose dont je suis le plus fier, c'est d'installer les gens qui travaillent avec moi sur leur propre domaine et de mettre, mes collaborateurs au même niveau que moi-même, ce qui malheureusement n'est pas souvent le cas dans la viticulture actuelle. Vous avez le châtelain et l'ouvrier agricole. Ça, chez nous, c'est pas concevable, et d'ailleurs, c'est pas du tout dans les concepts de la biodynamie non plus. Donc voilà, on travaille autour de tout ça.